Je m'appelle Laurence Fischer et je travaille chez Decathlon sur l'innovation sociale. L'innovation sociale, c'est d'essayer de résoudre avec d'autres de nouvelles problématiques de société. Le projet est né de l'envie qu'on a de faire bouger les jeunes et prend comme prétexte le One Wall. Je suis Carole Laine, je suis une joueuse de football gaélique et de handball gaélique qu'on appelle aussi du One Wall. Et je m'occupe de cette section-là au club de Nantes Don Bosco Football Gaélique. C'est une discipline très simple où on vient frapper une balle contre un mur sans l'aide de la raquette, juste la main à la balle. La Samoa, c'est une société publique locale qui est missionnée pour piloter la transformation urbaine de l'île de Nantes. La métropole nous a sollicité pour mettre à disposition un mur sur l'île de Nantes, identifier un site sur lequel on pouvait mettre en place ce projet de One Wall. Donc on a été le coordinateur en fait, de la mise en place du projet. La rencontre avec la Fondation Decathlon, elle a été naturelle. L'enjeu, c'est de poursuivre notre politique publique sur les pratiques sportives libres et de créer des lieux qui créent du lien sur l'espace public, rendre commun cet espace public. Nantes avait la chance d'avoir une association, Don Bosco, qui en fait pratique ce sport gaélique. On a choisi l'artiste Oku parce que c'était une amie avec qui on avait déjà collaboré à deux reprises, une fois à Nantes, une fois en Roumanie. Elle met beaucoup de mouvements dans ses peintures, y compris par des illusions d'optique. So on this project, the One Wall project, there was a long process. Started from the basic sketch based on the concept of the game. The theme is just a direction. I played a little bit with the idea of integrating these two playgrounds in the concept. Every other new thing is a challenge for me. For example, here I had to keep in mind the colors of the balls that people are playing with. So I must have another color to work with the whole composition. It's a bit strange because usually you don't hit an art piece, but this one is made for you to interact with. On a la chance que Oku nous a fait un mur qui tape à l'œil. Les gens de loin, en voyant le mur, commencent à s'approcher. Et vive le sport, vive l'activité physique et vive ces lieux de socialisation, parce que c'est quand même ça qui nous anime et nous motive. C'est vrai que ce projet, on a fait notre première réunion le 15 février. Et vous voyez, on est le 18 juin et le mur est là. Donc, quand les gens sont motivés, on soulève des montagnes. C'est un projet qui a du sens spontanément pour tout le monde, sur lequel plein d'acteurs différents se sont retrouvés. C'est juste une balle pour jouer. Ça ne demande pas beaucoup de moyens. L'intérêt qu'on a derrière ça, c'est vraiment de dire c'est pour tout le monde. Ce projet-là, c'est à peu près deux semaines et demie non-stop de peinture pour beaucoup. Pour nous, c'est hyper agréable de se dire qu'on fournit un outil. C'est bel et bien un objet de pratique. Le visuel, il a vocation à attirer les Nantais ici. C'est pas évident, c'est pas une zone qui était identifiée. Bravo, donc vive le One Wall. Un geste inaugural doit succéder à un second geste inaugural. Antoine, je crois qu'il faut finir le mur. Bravo. À Nantes, on jouait sur une façade d'une entreprise dans un coin de rue, donc c'était vraiment pas simple. C'est sûr que d'avoir un terrain clôturé, ça change la vie. En plus, on n'a pas seulement un terrain, mais deux terrains. Rien qu'en faisant la peinture, on a vu beaucoup de passants et beaucoup de gens qui s'arrêtaient. Donc en fait, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait aussi des badauds qui s'initient. Et puis en fait, au fur et à mesure qu'on va voir les praticiens arriver sur le mur, il va y avoir de plus en plus de gens, à mon avis, à l'utiliser. Moi, le mur, déjà, il doit prendre racine dans ce nouveau quartier. Donc il doit aussi révéler ce quartier-là qui aujourd'hui est un quartier en chantier. Une projection de ce mur idéal, ça serait avec plein d'enfants, des quartiers de l'île de Nantes, mais aussi des autres quartiers de la métropole, où tout le monde vient s'amuser, prendre plaisir. Pour moi, c'est vraiment ça aussi, l'activité physique, c'est prendre du plaisir. La première chose, ça va être de faire des initiations pour faire un peu plus de perfectionnement. On va organiser aussi des séances d'entraînement pour travailler des services, par exemple, et augmenter le temps de pratique.
En fait, c'est un lieu qu'il faut laisser libre de tout usage. C'est le début d'une histoire où on va continuer à aller investir ces pratiques sportives libres dans l'espace public. Et ce projet-là s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'appartenir à forcément un club sportif pour y aller. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir beaucoup de matériel pour y aller. L'idée, c'est de continuer ce projet sur d'autres villes où il y a un club de One Wall, parce qu'on sait qu'il faut, animer ensuite le terrain. Donc c'est important aussi d'avoir un club qui pourra le faire vivre à côté. Et puis après, ben c'est là où il y a aussi des rencontres, des gens qui sont motivés. Puis après, l'idée, c'est que ça nous dépasse et que d'autres s'emparent du projet et puis qu'il y ait plein de murs qui naissent partout en France dans les années qui viennent. I'm driven like I'm on a boat. Damn, I laid out, I told her to move. Now that I'm popping, got too much to lose.